Messieurs, très heureux de retrouver sur Agrimax Christian Kino en sacrifice entre Liège et oui, nous avons la commune d'Ivoramé et on va retrouver une adresse connue et bien connue des Liégeois, c'est chez Chacha, un établissement de plus ou moins 37 ans qui était tenu par Chacha et qui maintenant est passé, nous l'espérons tous et toutes de main de maître, par Mario Iadanza qui a repris l'établissement et qui remet l'établissement à sa belle-fille, je prends mes notes, Morgane Van Hoenacker, qui va participer au développement dynamique, plus jeune évidemment d'une carte qui reste quand même ancestrale, ça fait quand même longtemps qu'on en parle et les entreprises liégeoises ont un camp de base ici, donc évidemment Agrimax devait de faire une visite dans l'établissement. L'établissement, oui, mais deux terrasses, c'est quand même sympa. Un cadre vert, ça fait plaisir. On va aller voir, c'est par là que ça se passe. On va visiter les cuisines. Évidemment, vous pensez bien, je vais me sacrifier. J'ai un petit creux, il est midi 20. Alors Mario Iadanza, c'est quand même une belle rencontre, c'est quand même un bel établissement et c'est aussi une fameuse reprise. La reprise d'un établissement connu et reconnu chez Chacha, c'est quand même un sacré challenge. Bien sûr, c'était un fameux challenge, mais ça fait partie un peu de ma vie, comme j'ai fait à Liège également. Après Monsieur Max, le restaurant Panévino à Liège, c'est une institution aussi qui venait de chez Max, Monsieur Strivet. Donc ici, à Ivoramé, Chacha, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage qui existe depuis 37 ans, et je pense que la seule personne qui pouvait éventuellement le relancer et avec le temps et ses personnages, lui-même et sa cuisine, ça peut être moi. Mais malheureusement, moi, je peux pas tout faire, donc c'est pour cela que j'ai essayé de déléguer à d'autres personnes. Bon, deux expériences exceptionnelles, la tienne, celle de Chacha, un lieu mythique, mais l'interprétation de la bonne cuisine pour toi, c'est quoi ? Oui, donc les deux choses y vont ensemble, l'interprétation de la cuisine et l'interprétation du personnage. Je pense qu'ici, dans la zone, les deux choses y vont ensemble. Chacha et Mario, c'est deux époques légèrement différentes, mais avec une pensée quasi la même. Avoir une cuisine créative, une cuisine qu'on ne trouve pas ailleurs, au niveau de la cuisine, au niveau du personnage, on a un cœur sous la main, on donne, et voilà. Mais moi aussi, j'ai décidé, après mon expérience, de donner, de créer, etc. Et j'essaie d'amener derrière moi des gens comme mon beau-fils Aoui, et ici, ma belle-fille, donc la fille de ma compagne, à Flemal, Morgane, que vous voyez, voilà. Bien donc, mesdames et messieurs, vous pensez bien que je vais encore une fois de plus me sacrifier. Le restaurant Agrimax, ben vous le savez maintenant, c'est minimum 3 visites. Donc j'en suis à la 3e. Je vais me sacrifier, ben c'est pas compliqué. J'ai une carte exceptionnelle auquel je laisserai la parole à Mario. Mais Mario ici, qui est un chef d'orchestre, il va passer justement la tête de l'établissement à sa belle-fille, à Morgane. Et en fait, ce passage de direction se fait quand en fait ? Donc avant tout, je vous remercie de votre passage dans notre établissement. Notre façon de travailler, c'est une ardoise qui change journalière. Évidemment, on se base toujours sous l'ancienne création de Monsieur Chacha, des plats, lui. Comme vous avez vu tout à l'heure, il était en train de faire des boulets à la liégeoise. Ça, c'est du typique Chacha de lui-même. Moi, j'apporte quelques plats différents de plats italiens et on garde quand même une base de l'ancienne carte.
Évidemment, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas tout faire, je peux pas être partout non plus. Et la décision, c'était déjà du départ de passer la main à la fille à ma compagne. Morgane ici présente. Ce passage, il va être fait pour la fête du travail. Donc moi, je n'ai plus envie de travailler, donc c'est pas difficile. À partir du 1er mai, c'est elle qui prendra les rênes de la gestion journalière de l'établissement Chacha à Ivoramé. Alors, c'est extraordinaire ici, c'est qu'on va passer sur, je vais pas dire trois générations, mais trois têtes importantes, trois signatures. On va redynamiser ça par l'arrivée maintenant de Morgane, moins de 30 ans, qui va redynamiser un petit peu cette image, je vais pas dire dépoussiérée, n'allons pas de là. Mais là, derrière, il y aura ta signature de professionnel de cuisine et une image, ne te fâche pas, beaucoup plus jeune, par rapport à l'établissement de pas loin de 100 couverts, voire peut-être un petit peu plus, c'est pas une terrasse, mais deux terrasses, dont une partiellement couverte. Ça, c'est quand même très sympathique. Alors, vous allez tous me demander, on peut venir manger quand? C'est fermé? À quelle période? Eh bien, en fait, c'est pas compliqué. C'est fermé le samedi midi, c'est fermé le dimanche, c'est fermé le lundi. Et donc, en bas d'écran, vous allez retrouver les coordonnées de chez Chacha. Il y aura la page Facebook, évidemment, n'hésitez pas à partager. Et puis, à travers Agrimax, vous aurez également le renouvellement de la carte, puisque si on donne un personnage dynamique, on va évidemment essayer d'avoir une carte dynamique. Ça va bouger ici, on en est quasi sûr. Ben voilà, comme vous vous en doutez bien, mon sacrifice va commencer par la cuisine, et puis je vais faire le tour de carte pour manger une entrée, un plat et un dessert. Et puis attendez-vous à voir mon compte rendu d'ici très peu. Mesdames et messieurs, excellente fin de journée. À Gameax, à bientôt, merci.